Salut vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous pouvons faire papier AdMaths, papier N, N2, de code 4037 pour novembre 2021. Si vous êtes intéressé avec mon papier A-Level ou encore les autres papiers qui m'ont pourri sur YouTube, prenez un link dans la description en bas. Alors, sans plus tarder, passons à la question numéro 1. C'est bien sûr pour papier AdMaths, on a un droit servi aux calculatrices. Voilà, question numéro 1. On a un graphe comme ça. Il fait ça, ça et ça. Mais c'est la première réaction, première affaire, ce que ce graphe pensait, c'est la cause du graphe fait une shape comme ça. Il y a deux stationary points, et vous connaissez, il y a une cubic curve, d'accord? Cubic, on appelle une cubic curve. Ça veut dire que x sur power divisé 3. Vous connaissez ça. À cette façon, question numéro 1. The graph shows the graph. The diagram shows the graph of a cubic function y equal to f of x. Ok? Ça veut dire un graphe là, il appelle f of x. Cool. The intercepts of the curve with the axes are all integers. Ça veut dire, côté nous curve, coupe nous bon axes. Axes ça veut dire so, y-axis, x so, x-axis. Ça veut dire, côté nous curve, coupe sa bon axes là, sa bon valeur là, les bon valeur integers. À ces integers, ça veut dire simplement, les bon whole numbers, ok? Whole numbers. C'est ça, définition de integers. À cette partie là, nous avons une valeur de x, set of values of x, une valeur de x, pour qui nous graphe libre moins que 0. Alors, très simple, nous connaissons, ça c'est la ligne de x-axis, ça c'est la ligne de 0. À ce que nous avons observé, quand nous graphe lit en bas, ça, 0 là. En bas qui fait moins, less than, en bas 0. Là, pour observation, vous trouvez, par exemple, vous trouvez, là, il est là-haut 0, mais après, il passe ça, il est en bas, d'accord, il est en bas, ah, il est en bas ça, là, il est en bas 0, là, depuis là, et là, il est remonté, il est là-haut 0, et là, il est en bas. Ça veut dire, vous trouvez, nous graphe, il est en bas 0, ça porte là, pour venir là, et là, d'accord, ça veut dire, nous réponse vous x divisé entre moins 3 et n comme ça avec x divisé plus qui 5 pour que nous graphe lit en bas 0. Ah, c'est une fois qui finit par mettre égal ici, d'accord, parce que question de toi less than pas less ou equal to, d'accord, ça nous pas besoin de mettre nous equal sign nous haban inequality ça. Ça, c'est deux questions pour dire. À cette façon, question pour dire B. Find an expression for f of x. Ça veut dire que nous avons l'équation, ça f of x là. Ça équation là. Mais point de vue de ça. Un point. La méthode ça qui nous servit, c'est que c'est un point intersection ici là. Ça, c'est un point intersection là qui peut être toi. Autre équation. Alors, ici, qui va là? Ça, c'est valeur de x égale moins 3. Ça, valeur de x égale n, d'accord? L'integers value. Et ça, valeur de x égale 5. OK? À ce nous dire, f of x, libre égale que ça fait. Bon. Pour nous rôder sur bonne équation, nous avons rôder sur facteurs. Alors, comment on rôder sur facteurs? Nous avons envoyé ça par là. Alors, faites un gain. Quand on avait retiré l'autre côté, il y a une plus 3. Fois, avoir ça par ici, une x moins n, avoir ça par là, une x moins 5. Ok? Ça, c'est l'étape numéro 1. À ce stade, le poste qui finit là, nous réalisons que nos graphes, les coupes nous, y-axis, côté ça point là. Ça, c'est point 2, y égale moins 5. Ok? Alors, ça veut dire, si nous faisons expandre sa braquette là, quand ça, fois ça et fois ça. Alors ça c'est 3 fois moins n fois moins 5. Là 3 fois moins n fois moins 5 donne toi 15. Mais nous trouvons qu'il valait que nous besoin gagner là, nous besoin moins 5. Alors comment tu fais 15 vingt moins 5? Déjà pour faire 15 vingt moins 5, nous besoin multiplier ça par valeur 2 moins n au 3. On va mettre ça ici et ça c'est une équation. Ça curve là. Alors ça,
Alors, 15 fois qui ça fait on appelle x égale moins 5. Alors, très simple, tu fais diviser par 15 pour tout, tu auras x là égale ça. Ça égale moins 1 ou 3. Alors, nous connaissons le besoin. Multiplier 15 par ça pour te gagner valeur 2, moins 5 pour avoir ton intercept. Alors, ça, c'est une façon pour checker dernier layer qui nous graphe effectivement. Et comme ça, il passe le rapport là aussi pour les vignes valides pour nos équations. Ça, c'est ta question numéro 1. Là, c'est passons à la question numéro 2. Given that, qui est une équation comme ça, nous avons besoin d'un exact valeur de A, B avec C. Ça veut dire, nous avons besoin de montrer qui, côté gauche là, est capable de venir comment côté droite là. Alors, n point, nous avons besoin d'expandre ça. Alors, ça fait toi qu'est-ce à faire. Nous avons besoin de connaître cubic root de A, comment dire, C, A, power NO3. Nous avons fait ici, x pour venir NO3, y pour venir NO3. Ça veut dire z power 2, y power 2. Divisé par x moins 3, z moins 3, z power half. OK? Parce que square root fait moins de a, c'est simplement a power half. OK? Ça nous a connu pour nous faire une question comme ça. Et Gastien, on a simplifié. Alors, comment on fait? Hein? Pour x, on a ça. Le x, il y a NO3. Quand on a divisé, il vient retirer. Et que ça, il retire 3. Assez pour y, fois y, y lit NO3, on a divisé, il vient retirer. Et que, bon, en bas, nous payons non rien, mais nous avons besoin de ça parce qu'il nous paye non rien y en bas, donc on peut laisser tomber. Assez, quand on a multiplié, c'est y NO3 fois y de 2, il vient plus. Et ça valait là, c'est 2. Qui fait bien retirer, la cause paye non rien, y en bas, la cause n'a pas besoin de retirer. D'accord? Et finalement, pour z, il vient z power 2, là, on a divisé, on a retiré, power ici, moins 3, et ça dépend pour moins NO2. Ça lui fait NO3 moins moins 3, fais-toi, x, 3, c'est 3, NO3 c'est quoi? 3 fois 3 c'est 9, 9 plus 5 c'est 10, 10 c'est 3. Ouais. Ça, c'est fais-toi d one third, ça veut dire fais-toi 2 fois 3, c'est 6. 6 plus n, fais-toi 7. 7 au 3. Et que ça, là, c'est z plus 3, retiré half, c'est 4 and half, c'est 9 au 2. OK, ça, c'est question pour Tia. Alors, valeur 2 de A, c'est 10 au 3. Valeur de B, 7 au 3 équivalent de C, c'est 9 au D. C'est ça? Tu vous as montré ça, bonne valeur là. C'est ça ta réponse. Ça, c'est question partie 2. Hein. Ah, c'est passons à question partie B. OK. Alors, ici, nous avons solve à l'équation là. Ça veut dire votre valeur de P pour cette équation là. Alors, un point. Ah, si nous réalisons les affaires ici, ça crée A. 2, 2P plus N. Okay, très simple. Nous avons servi laws of indices pour nous casser ça. Ça fait toi. 2, 2p, vous avez multiplié par 2 power n. C'est 2 fois 2, 2p. Ok? Ça nous remplace ça là-dedans. Ça fait 5 fois ça égale ça. 2 fois 2, 2p. Et ça, retirer 17. 2 power p plus 3 égale 0. Ça lui fait, ça fait 10, 2, 2 power p, retirer 17, 2 power p, plus 3, égale 0. Astère, la cause de l'affaire p est compliquée, nous avons servi substitution. Par exemple, on peut dire let u égale 2 power p. Right? Et là, tu as besoin d'affaire. Tu peux dire ça pour 10, u, square, retirer 17 u plus 3. Ça lui fait, factorize. 10 c'est 5 fois 2, 5 u fois 2 u. Et 3 c'est 3 fois n, 3 fois n,
Pour gagner moins 17, je vais gagner moins 15. 5 fois 3 fait 15. Moins 15. Moins 15. Et moins 2 fait moins 17. U fait toi 1 log 5. Et U fait toi 3 log 2. Finalement, bien sûr, nous verrons le valier P, mais pas U alors. 2 par P lié 1 log 5. Et ici, l'époux 2 par P, l'époux 3 log 5. Ok? C'est pour nous le valier de ça. Donc, passer avec l'on. For example, on écrit l'on ici, des côtés. On va faire comme ça. On va faire P devant. On va faire comme ça. Et finalement, P égale ln n log 5 divisé par ln 2. Et ici, pareil, pareil, même méthode, vous avez ln des côtés, ln 2 par P égale ln 2, 3 log 2. On va faire P devant, P vient là, ln de 2 égale ln 3 log 2. Et que finalement, P égale ln 2, 3 log 2 divisé par ln 2, 2. Cette option est simplifiée, une réponse en décimal si tu as envie. Tu ne peux pas simplifier ça. Mais ça dépend, up to you, pour faire la partie là. Maintenant, passons à la partie numéro. Question numéro 3. Nous allons écrire ça. Write 3 plus 2 log A, retirer 4 log B as a single log to the base of 10. Ça veut dire, nous allons écrire tout, Raban numéro là, en termes de log of base 10, en un seul affaire, un seul. Là, il y a trois affaires là. 3 plus ça, c'est trois parties. Mais nous allons combiner tout, vous faites les bits un seul. Mais comment tu fais? Nous allons comprendre les affaires. C'est là, LG, c'est en fait log de base of 10. Ça, c'est pour les affaires qui te besoin de connaître avant de faire la question là. Alors, un point, c'est nous trouvons ici, nous avons ça, nous ne pouvons pas simplifier 3 que d'ailleurs. Nous avons ces 3. C'est 3 fois n, d'accord? Avec n qu'il y a. N capable log base of 10 to 10. Aha! Ça, nous avons besoin de connaître un log d'une base de peu importe les affaires. Quand il prend même les affaires, quand a il prend a, il est supposé faire toi n. Alors, même logique ici, quand on a n ici, l'égal log to the base of 10, il peut avoir sous 10. Tu comprends? Alors, ça vous vient 3 log base of 10. Plus 2 log base of 10 A retiré 4 log base of 10 B. Simplifier ça, nous avons une parole là-haut, nous avons log base of 10, 10, nous avons là-haut, 3. Ça, c'est une laws of logarithms qui sont bien connues pour faire une question là. Plus log base of 10, nous avons ça là-haut là, retiré log base of 10 B power 4. C'est comme toutes les mêmes affaires, log de base 10, comment combiner les autres? Alors, log base of 10 ensemble. Ici, nous avons 10 par 3 par 3000, 1, 2, 3. Quand on a plus, ça veut dire multiplier par l'affaire en dollars, c'est A par 2. Et retirer, c'est diviser par l'affaire en dollars, B par 4. La réponse finalement, c'est log base de 10, fait 10 000. Ça 1000 A par 2, log B par 4. Ça c'est la question, partie 3A. Expresse ces trois parties-là en une seule partie, single log to the base of 10. Alors, les affaires qu'ils observent qu'on a ici, quand il y a un logarithme, par exemple, on écrit B log base de A et que C ici. Donc, on peut avoir ça B là, là ou là. Ça c'est une property de bon logarithme. Donc, on peut servir. Ça veut dire que A est capable aussi égal ça. Et C, B là, il est capable de venir là-haut. Là. Ça, c'est une propriété qui nous connaît, qui nous est capable de servir. Et quand on a plus ou retirer, nous sommes capables de combiner, faire les vins, multiplier, soit, quand retirer, vous avez une divisée. Ok, ça, c'est partie A. À cette partie B, solve the equation, ça, équation là, solvez ça. Mais à ce même problème là, nous trouvons qu'il y a un log de base A et log de base 4 ici, n'est pas pareil. Pour mes affaires, nous disons sans y, fait une pareille. Alors, nous avons base 4, nous sommes travail en base 4. Alors, nous sommes ça là. Ça veut dire log de base A, 4. Nous pouvons réécrire ça en log de base 4 de 4. Log de base 4 de A.
ça est capable de réécrire en ça. Et que ça, bien sûr, qu'on a trouvé là-haut, quand log, il prend une valeur hein, qui est pareil là, il fait un n. Alors, log de base 4 pour 4, il faisait fait un n, là. Log 4 de A. On place ça là-dedans, tu as bien 3. 3 fois ça, c'est 3. Log. Log de base 4 de A, plus. Log de base 4 A, ça c'est 2 ici. Égale valeur de 7. Assez pour simplifier dans la vie, le service n, substitution. Par exemple, on va dire let log base 4 de a égale x. Et de bueno. De bueno. 3 log x plus 2 x égale 7. Assez pour eliminate, élimine ça x là, nous fois x pour tout. Donc vous gagnez 3 plus 2x square égale 7x. Avec tout un côté, tu gagnes 2x square moins 7x plus 3 égale 0. Simplifié, factorize 2x, x, 3 là c'est 3, n c'est ici. Alors pour gagner moins 7, vous avez gagné moins 6, moins 5, x pour gagner half, x pour gagner 3. Merci à, bien sûr, le bureau de valeur de A. Pas de x. Alors finalement, on écrit log de base 4 de a égale half. Ça veut dire a pour égal 4 power half. A pour égal 2, bien sûr. Et que pour ça là, log de base 4 de a pour gagner 3. Alors a pour gagner 4 power 3 et simplifie toi-même, ça peut être là, thème de calculatrice de tout, calculatrice. Alors, ça c'est question numéro 3. C'est passons à question numéro 4. Nous allons solver l'équation là. Côte de 2x plus pi log 3, retirer root de 3 égale 0. Pour nous valeur de x, li entre minus pi et pi. Gradients. Ça veut dire li entre moins 180 degrés. Avec 180 degrés. En autre mot, ça give you answer in terms of pi. Ok, cool. Alors, partie n, c'est une capable de simplifier ça. Côte qui est en fait, côte, c'est n le tan. Alors, ça, nous avons ça ici. Fais-toi que ça fait. Fais-toi. N le tan 2x plus pi le 3 égale root de 3. Capable cross multiply top gain. On avait ça là-haut, là. Ça, on avait là-haut. On avait tan de x plus pi le 3. Après qu'on avait ça en bas, on avait n de ça. Ah, c'est bien sûr la vérité. Tan est égal à une affaire positive. Alors, vous allez comprendre qui, quand tan est positif, après a, s, t, c, a, s, t, c, il faisait là, soit là. Il peut avoir ça, soit ça. D'accord? Alors, n point, ça veut dire 2x plus pi log 3 égale tan inverse de n, ça. Alors, par exemple, alors tan inverse de n log 3, c'est 30 degrés. Alors, mais ici, nous avons servi la notion de pi, ça veut dire 30 c, pi divisé par 6. Ah, c'est valé ici là. Mais aussi, nous avons 5 gros là, ça veut dire qu'il est capable de ça, ou soit 30 plus c'est pi, n log 6, pi log 6, plus parce que nous connaissons ici besoin, long, et ça besoin, 180 plus d là, pour un gros là. Alors, plus valeur de pi, n, fais-toi, 7 log 6 pi, pour deuxième réponse qui est possible pour ça. Mais c'est comme nous avons 2x ici. Nous essayons d'ajouter 2 pi à sa réponse. Ok? Nous faisons ça seulement parce qu'il y a 2x là pour nous guetter qui même valeur qui ne peut pas venir encore. Ok? Nous ajoutons ça maintenant. Plus 2 pi avec ça. Fais-toi qu'est-ce que ça fait? 2 n log 3. C'est 2, soit 2 n log 6. C'est 2 n log 6. C'est 13 log 6 pi. Et que ça là, plus 2 pi. Fais-toi 12 à 2.
2, 7, 6. Alors 2 fois 6, 12. 12 plus 7, fais-toi 19. 19, 6, pareil. Mais aussi, comme nous trouvons, qui nous range, lui aussi à un côté négatif, lui aussi, c'est retirer 2 pi. C'est la réponse là. Alors, retirer 2 pi, ça veut dire n au 6. Retirer n, ça 2 pi, fais-toi ça. Retirer n, 5 le 6, ça veut dire retirer. Retirer 11, le 6, pareil. Bon, on va faire un 10 pour connaître, qui peut même valoir possible qu'il nous peut pas manquer. Donc, bon, question qui fait nous faire, c'est parce que, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est la fois, nous tenons pour sauver une équation comme ça, nous donnons des réponses, mais la fois, nous manquons une valeur qui est aussi possible pour une réponse. Et c'est pour ça que je vais tester, n par n, comment nous sommes capables de gagner une réponse. Par exemple, ici, quand nous tenons ça, 2x là, 2 devant x, la cosine essaie d'ajouter 2 pi avec sa bande là pour gagner sa bande là. Mais à ce comme nous avons nos range, nos domaines, et aussi dans le côté négatif, nous aussi nous inquiéter si nous avons une réponse côté négatif. À nos ça, nous retirons 2 pi à bande là pour gagner qu'il y en a ici. C'est pour ça là, 7 le 6, retirer 2 pi, et autant, retirer 5 le 6 pi. Ok? Et maintenant, on est capable de solver pour valeur de x. Alors, 2x peut égaler les affaires. Alors, pour mes affaires, on a n au 6, c'est-à-dire retirer n au 3. Et toi, retirer n au 6. Pareil. 7 au 6, retirer n au 3. Et toi, 5 au 6, pareil. Et 13 au 6, retirer n au 3. Et toi? 11, le 6 pi. Et que ça fait toi que tu vas faire ça, retirer ça, retirer ça, fait toi 17, le 6 pi. Ça, fait toi, retirer, moins 13, le 6 pi. Ça, retirer ça, fait toi, moins 7, le 6 pi. Ok? Et finalement, vous allez diviser par 2, parce que nous avons le valeur de x, pas de x, mais x, fait toi, divisé par 2, fait toi, retirer n, le 12 pi. Pareil, bien sûr. Ça fait 5, lot 12 pi. Ça fait 11, lot 12 pi. 17, lot 12 pi. Moins 13, lot 12 pi. Et que moins 7, lot 12 pi. Alors, c'est la bonne réponse. Là, nous avons laquelle qui entre ça dès là. Ok? Alors, nous trouvons que ça lie en dedans. Ça lie en dedans. Ça lie en dedans, mais ça lie dehors et que ça lie en dedans. Alors finalement, donc x pour égal moins 7 log 12 pi moins n log 12 pi 5 log 12 pi et 11 log 12 pi. C'est une question partie 4. Alors passons à la question partie numéro 5. Nous disons, find the possible values of the constant c for which the line, la ligne ça, est une tangente de sa courbe là. Normalement, quand on a une équation comme ça, nous avons quadratic equations, elle nous servit b squared minus 4 ici égale sur égale 0. Mais ici, tu trouves que clairement, ici nous avons une équation trigonométrique. Alors, nous avons servi nous un understanding qui peut arriver en fait dans la question là. Par exemple, qu'est-ce que tu es capable de dire à propos de la ligne y égale c? Alors, y égale, peu importe qu'ils aient fait, hein, peu importe qu'ils aient fait, hein, c par exemple ici, ça veut dire la ligne horizontale. Ok? Ça, vous devez comprendre ça. Ça veut dire y égale c, il est capable de la ligne horizontale. Assez, qu'est-ce que tu es capable de dire à propos d'une sine curve? Parce que, exemple, tu as dit, une sine curve, il commence là par exemple. Monter, il est cyclique. D'accord? Et que ça, ce valeur, ici, ça fait comment dire les choses? Sine de x, par exemple. Right? Ça valeur en bas, il besoin moins n. Valeur maximum, il est pour n. D'accord? Astère, par exemple, si on comprend les, si nous besoin la ligne de y égale c, c'est une ligne horizontale. Pour tous nos curves, coûte une seule place. Une seule place, coûte les capables tous les. Alors, par exemple,
observation, tu as trouvé que pour ça happen, pour ça, pour ça qui est une tangente, là, tout ça seulement un point exact dans l'horizontale. Alors, observez que c'est seulement possible quand les tous lits, côte sur maximum minimum point, soit sur maximum point. Dans l'horizontale, seulement à même point là, hein, pour les cas avec une tangente. Parce que, par exemple, il n'a pas cela. Tu as déjà dit pas cela, oui, il est horizontal, il passe là, mais il couple lits, côte deux points. Pas pour bon. Fait que moi, il passe là. Même logique, il couple lits, côte deux points, pas pour bon. Alors, il est seulement possible qu'il y ait une tangente s'il passe côte sur extrême là et côte sur extrême là. Ça veut dire que le valeur de sine x est above n, soit moins n. Alors, même logique, le remplacer à l'avant. Alors, ça, y égale c, le remplacer à l'avant, c égale 5 sine x au 3 plus 4. Donc, on a ça, sin x, le 3, ce valeur divisé entre valeur 2, moins sin et n. D'après nous graphes, d'après nous understanding, alors, nous connaissons qui? Fait que moi, j'ai lu, il y a une tangente en bas, ça veut dire ça, divisé égal à ça. Alors, when, fait que moi, j'ai lu tout cela là. Ça veut dire nous dire sin, when sin x, le 3, égale sur minimum value 2, moins n, qui va être de c, nous voulons valeur 2, c, pour égal 5 fois moins n plus 4, c pour égal valeur 2 moins n. Ça, c'est one of the values. À cette deuxième, nous pouvons dire aussi quand sin x au 3 égale valeur de n. Moi, je vais ici, n, c'est quand les tous sont point maximum. Alors, c pour égal 5 fois n plus 4, c'est 9. Alors, values of c, c capable moins n, soit 9. Pour qui nous, la ligne horizontale, et pour une tangente, que ça dépend là. Donc, que ça dévalue là. Alors, c'est important que je comprenne qui peut arriver ici avec un dessin, un double qui. Fait comment dire ça, c'est le type pour n ou 3, les types mêmes affaires, les types même shape. Et nous aussi comprenons qui. Il est seulement une tangente que les tous avec n point exactement, et que ça est possible seulement quand les tous se un point extrémité. Comme là, que ce maximum point et que ce minimum point. Et ça, c'est la question numéro 5. C'est passons aux questions numéro 6. Do not use a calculator in this question. Ça veut dire pas servir une calculatrice dans la question. Mais bien sûr, tu ne peux pas servir. C'est juste qu'il te vous a montré tout au bon steps, end point, comment tu as une réponse. Alors, the polynomial P of x, c'est une équation P of x là. Would A avec B ben integers, ben whole numbers, les divisibles par 2x plus n. Ok, divisible. Quand on dit divisible, nous allons comprendre qui, ce remainder, dit 0. Pareil ici, when P of x is divided by this, the remainder is moins 24. Alors, n point, commencez ici avant. Quand ça, il y a un facteur, nous équivalent ça à 0, nous disons qui est valeur de x. Nous solve pour x, x peut égale valeur de moins half. Ça veut dire que quand x égale moins half, ces affaires-là, il n'y a pas pour aucun remainder. Alors, P de moins half égale 10 de moins n le 8 plus A n le 4 retiré 10 de moins half plus B. Simplifié. Donc, moins 5 le 4 plus A le 4 plus 5 plus B. Et bien sûr, ce remainder. Comment trouver la cause est divisible sur remainder besoin 0. Alors ici, nous avons une équation, c'est quoi? C'est A log 4 plus B égale 5 log 4 retiré 5. Assez, juste pour éliminer sa valeur de 4 là, nous ne pouvons pas multiplier 4 partout. Donc, gain A plus 4B égale 5 moins 20. A plus 4B égale moins 15. C'est l'équation numéro 1. C'est l'équation numéro 2, c'est la même logique, mais assez, nous trouvons quand x plus n, ça veut dire égal qui va être de x. Equal to 0, ça veut dire x plus bizarre égale moins n. Quand x égale moins n, ça veut dire p, quand il prend valeur de moins n, sur remainder bizarre moins 24, d'après nous, question. Donc, on place ça à droite pour gagner 10 fois moins n plus a fois n moins 10. Fois moins n plus b égale moins 24. Moins 10
plus A plus 10 plus B égale moins 24. Ça allait. Donc A plus B égale moins 24. Ça, c'est l'équation numéro 2. Asten vi ser vi här du la på solv på valet du A avec B. Ser vi simultaneous equation, obviously, right? Alors, A på égal à moins 24, moins B. Donc, on place ça à droite pour gagner. Moins 24, moins B, plus 4B, égale moins 15. Alors, on va y ça pour ici. Donc, on gagne qu'est-ce à faire? Ça, ici, on gagne 3B, égale. Alors, moins 15, plus 24. La nef. Alors, B, pour égal 3. Et A peut égal que ça fait ici, moins 24, moins 3 peut égal moins 27. C'est la question partie A. A peut égal moins 27 et B peut égal 3. C'est passons à la question partie B. Find an expression for P of X as a product of three linear factors. Ça veut dire, nous faisons qu'à ça en termes de trois products de linear factors. Alors, un point, la cause nous connaît. Sans affaire là, il est divisible by ça. Ça veut dire qu'on va servir ça pour nous retrouver bon factors. Alors, un point, ça veut dire, par exemple, nous allons faire long division ici. Alors, c'est 10 x power 3 moins 27 x power 2 moins 10x plus 3 facteur de 2x plus 5. Ok, alors pour faire 2x, par exemple pour faire 2x, bien 10x cube, nous avons fallu par 5x square. Ok, ça c'est la première étape. Ça fois ça fait toi 10x cube, et ça fois ça fait toi plus 5x square. Simplifié, vous avez retiré, ça pour aller. Retirer ça fait toi retirer. Alors, retirer 27, retirer 5, fait toi retirer 32. De x square, retirer 10x plus 3. Ok? Et c'est la même logique, pour faire ça, 2x, pour venir moins 32x square, nous allons faire ça par moins, qu'est-ce que ça fait? Moins 16x. Alors, ça fois ça, tu peux gagner. Moins 32x square. Et que ça, n fois ça, fait à moins 16x. Ça les voit aller. Tout le monde, moins 10, moins 6, 16. Fait à 6x plus 3. Et que finalement, pour faire 2x, 26x, nous avons besoin, fois ça par plus 3. Alors, ici, tout le monde, 6x plus 3. Et ça vous vient exactement 0. Ça veut dire au final, tout le monde, c'est un facteur, ça veut dire f of x. Sur P of X, sorry, il est aussi égal 2x plus n fois, ça fait là-haut là, donc 5x square moins 16x plus 3. Simplifié, 2x plus n, ça factorise ça. 5x fois x, ça c'est 3 fois n, pour gagner moins 16 plus gain, moins 15 moins n. Ça c'est une réponse de partie B. À cette partie C, write down the remainder of P of X. À cette question partie C, write down the remainder when P of X is divided by X. Vous voyez, X c'est quoi? X c'est X plus 0. Mais K a 0, ça veut dire quand X égale 0, qu'ils ont remainder. Il y a P, nous prend X pour 0, pour égaler les affaires. Mettre 0 là, 0 plus 0, retirer 0 plus B. Fait plus B. Et la valeur de B, c'est la valeur de 3. Alors, réponse pour 3, pour partie C, question 6. Maintenant, passons à la question numéro 7. Partie A. The diagram shows a triangle OAC, OAC. C'est un triangle OAC, where OA is OA, OB is B, and OC is C. The points B lie on line on the line AC, AC, such that AB avec B, c'est les pour M pour N. Ce ratio, les pour M pour N. Ça veut dire, ça les pour M, ça les pour N. Mais nous connaissons aussi en tout, les pour besoin, M plus N. D'accord? En tout. OK? À cette question, partie N, c'est write down the
AB in terms of A and B. Alors A pour B. Alors comment on peut prendre des billes A pour deux B? D'après nos diagrammes, nous avons fait A par côté O, O par côté B. Alors, et toi, A par côté O, c'est moins A. Parce qu'il est d'accord, O, A, il a direction, il est dans sa direction. Mais ainsi, pour voir côté A, des billes A par côté O, il peut opposer, direction opposée. Et là, cause ça, il faut écrire moins A. Ainsi, quand il vient là, par côté B, il est seulement OB, il peut plus B directement. Voilà. À cette prochaine idée, write down BC in terms of BC. Alors BC, pareil, même logique. Depuis B, pour à côté C. Alors B, nous avons à côté O avant, O à côté C. Alors BO, n'est pour moins B, et C, n'est pour C. O, C, n'est pour C. Ça, c'est question partie 2. À cette prochaine 3, hence, ça veut dire CV partie N et 3 et 2 pour vous montrer ça. Alors, nous faisons un point. Bien sûr, ici, nous servons à sa ratio là. Ça veut dire. Il nous trouve ici. Nous connaissons. Ici, il y a n fois a plus n fois c. Nous avons égal ça fois b. Alors, nous avons une façon que nous sommes capables de montrer ça qui est vrai. Nous avons servi cette information ici, là, ça, avec ça. Ça veut dire ratio de ab. Ça veut dire ab égale m. Le m plus n de ac. Nous formons l'équation. Nous servons ça, bien sûr. Ça veut dire ab, en fait, dit m, l'eau, ça, de la distance là. D'accord? C'est ça qu'il nous montre ici. Alors, c'est avec ça qu'il nous voit ici forme nos équations. Ab, ab, c'est quoi? Ab, c'est ça. C'est moi ça. Plus B égale M c'est M l'eau M plus N. AC c'est quoi? AC A par côté C c'est A par côté ça et ça par côté ça. AC c'est bien sûr minus A plus C. Alors simplifier c'est N pour N. On met ça ici. Nous pouvons faire cross multiply. Nous pouvons avoir deux bougies. Un côté de bougie minus a plus b fois m plus n égale moins am plus cm. À ce niveau derrière on ça, ça fait quoi? Ça plus a bm plus bn. Égale moins AM plus CM. Ainsi, nous avons réarrangé ça d'un côté. Nous avons tout B d'un côté. Alors, B est pour là. Nous avons ça ici. Et ça, nous avons pour là. Alors, factorise B de O, tu peux gagner. M plus B. Si tu peux gagner, moins AM plus CM. Nous avons ça ici. Plus AN et plus AM. Alors, ça et ça pour finir cancel. B, M plus N égale CM plus AN. Ainsi, nous avons réarrangé de la façon là. Alors, B, M plus N égale N avant, donc N fois A plus M fois C. This is shown as required. Ok, ça c'est pour les trois questions là. Mais logique pour dire ça, c'est bien sûr une service sans information là pour nous former une équation. Ça veut dire que nous connaissons qui AB, les besoins qu'ils ont fait, AB est égal à M, l'eau ça, de ça. Si ça make sense, une fraction de ça. Et que la cause ça, nous aussi former une équation là. Et que là, nous connaissons ça, nous connaissons ça, nous remplacer, nous besoin simplifier pour venir ça. Ça, c'est question partie 3. À cette question partie B, nous besoin solver ça pour le valeur de ça avec ça. Alors, une pour une. Nous avons fait expand, nous avons 2 lambda moins 4 mu plus 4 égale 4 mu plus 4. Alors là-haut, ça en bas, lambda plus 7 mu, retirer 7, égale moins 2, ça après, moins 2. Simplifier le point. Nous avons tout, nous avons ça pour là et ça pour là. Alors, ça et ça pour cancel.
Et clair là qui peut arriver ici, il peut arriver, non, mais ça pour là, tu vas gagner 7 mu. Ça, plus ça, plus 3, ça peut égal, moins 2. Moins 2 plus 7 fait à plus 5. Merci. Ça là, et ça là, il peut venir ça faire, ça là, il peut venir, non, mais ça pour ici. D, retirer 4, fait à moins D. Moins 4 mu, égale 0. Ça veut dire 2 ça plus 4 mu aussi égale 0. Ça c'est l'équation numéro 2, équation numéro 1. À cette vue, c'est une simple équation de sa maintenance qui quelque part solve pour faire la valeur de mu avec lambda là. Alors un point, nous faisons un lambda bin subject. Alors lambda peut égale moins 4 mu au 2, c'est moins 2 de mu. Alors ici, 7 mu plus 3. 2 mu égale plus 5. Simplifié, 7 mu va tirer 6 mu égale 5. Ça veut dire mu divisé égale 5. C'est un lambda qui égale 10 fois mu fois 5. Et toi, moins 6. Ça, c'est la value de lambda et mu. Ça veut dire que nous expandons cette affaire-là, nous formons des équations et la solve simultaneously pour que ça réponde. C'est question numéro 7. Passons à la question numéro 8. A 5-digit number is to be made using these digits. Ça veut dire que nous devons former un numéro qui a 5 numéros à lui. Par exemple, 50 000, il a 5 numéros à là. À ce niveau, c'est ce numéro-là. 0, 1, 4, 5, 6, 7 et 9. No digits may be used more than once. Ça veut dire que nous devons servir une seule fois dans la permutation. Find how many such 5-digit numbers are even. Alors, condition, il y a deux conditions, trois conditions. Vous avez 5 digits, vous avez even, et vous avez plus grand qui 50 000. Ok? Alors, nous créons ici 0, 1, 4, 5, 6, 7 et 9. Alors, première condition, c'est vous avez 5 digits. Cool. Vous avez 5, nous faisons 5 espace. 1, 2, 3, 4, 5. Il est even. Alors, pour un numéro even, il termine par un even number. Dans la liste, nous avons ça even, ça even et ça even. Alors, trois even options. OK? Et que pour les more than 50 000, il commence par 5 ou bien plus grand. Il est capable de ça, ça, ça et ça. D'accord? Alors, quatre façons pour de commencer. À ce niveau, nous avons un numéro 6. Il est even, mais aussi il est capable d'une option pour commencer, d'accord? Il représente tous les deux. Et c'est pour ça que nous apprenons ça un peu séparément. Nous commençons, première option. What if you start, fait de commencer with 6? Ça veut dire, on a 1, 2, 3, 4, 5. Commencez par 6. On a un seul 6 dans la liste, c'est-à-dire une seule option. On a un seul 6, c'est ça. À ce pour les even, nous avons 0, 4 ST, seulement deux options. Fait que nous retirons 0, nous mettons 0 pour les 1, 0 à aller. Assez au milieu, nous ne pouvons pas mettre ça qui nous envie. Ici, nous prenons comme option, nous prenons ça, 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 5 options. Fait que moi je vais mettre N par exemple. Et là, nous prenons, après, nous prenons 4 options. Fait que moi je vais mettre 4 par exemple. Après, nous prenons 3 options. Fait que moi je vais mettre 5 par exemple. Ok? La réponse pour ça, si nous commençons avec 6, il faut 1 fois 5 fois 4 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. C'est toi, 120. Aster, les restes, nous sommes capables. So, O, nous sommes capables de commencer par. With 5, 7 fois 9. Alors 5, 7, O, 9. Alors, nous avons. Pareil, 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5, qui fait la cause 5 digit numbers. Pour commencer, nous avons 3 options. 3 options. Fait que nous commençons par 5. Mettre 5 ici. Et pour le numéro là, nous avons even, nous terminons par un even number. Donnons la liste, nous avons 0, 4, 6. Alors, 3 options pour l'even. Alors, ça, il est là-dedans. Fait que nous mettons 0 ici. Et pour les restes, nous sommes capables de n'importe quelle option. Nous sommes capables de choisir ça ou ça. C'est un des options. 3, 4, 5 options pareilles.
Bon, laisse-moi écrire ici, comme plus simple. Nous allons écrire 0, 1, 4, 5, 6, 7, 9. Là, nous avons servi 5 et nous avons servi 0. Là, nous avons servi ça, 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 ou soit ça. 5 options. Fait que nous prenons 1. Et là, nous avons servi ça, ça, ça. 4 options. Fait que nous prenons 4. Et que ça, nous avons servi 1, 2, 3, 3 options. Fait que nous prenons 6. Ça fois ça. Fois ça, fois ça. Alors 3 fois 5 fois 4 fois 3 pour égal 540. Et que finalement, total, nous ajoutons tous les dés, plus 120 pour égal 660. Pour ça, number of digits that can be formed. À cette partie B, the number of combinations of n objects, so nombre de combinaisons de n objects, taken 4 at a time, est égal 6 fois. Nombre de combinations taken 2 at a time. C'est ça, c'est l'équation que nous devons solver pour une valeur de n. Alors, comment on casse ça? Par exemple, ici, nous avons l'exemple là. Voilà, c'est ça. Nous utilisons la formule là pour nous casser ça. Par exemple, ça, les pouvons qu'ils ont fait. Les pouvons, n, ça, égal n factorial, low, n moins 4 factorial, fois 4 factorial. Et que ça, les pouvons qu'ils ont fait, n choose 2. Égal n factorial, low, n moins 2 factorial, et 2 factorial. Again, ça c'est formule là qui nous donne toi, nous servir ça, pour nous capables d'expandre ça. Là, nous remplaçons les dans cette équation. Écoutez, tu as besoin faire. Tu as besoin ça ici, n factorial, low, n moins 4, ça, avec 4 factorial, égale 6 fois, n factorial, low, n moins 2 factorial, 2 factorial. Et que ça pour aller. Ok? Et que ça c'est 2 factorial, c'est 2 factorial, c'est 2. Alors 6 divisé par 2, fais-toi 3. Alors si tu gagnes, on va envoyer ça là-haut, tu gagnes. Qu'est-ce que ça fait? Tu gagnes n minus 2 factorial, low, n moins 4 factorial. Et ça vous gagne 3. On va envoyer ça ici, tu gagnes fois 4 factorial. Simplifié. 4 factorial pour égal 24. Ça, c'est 24. Parce que nous allons simplifier ça ici. Alors, pour simplifier ça, nous allons comprendre que n minus 2 factorial est aussi égal n moins. Sorry, c'est un long en fait. C'est-à-dire, avant de nous faire une autre point d'affaire, ça veut dire ce 2 factorial. Ça veut dire 2 fois n. Ça veut dire 4 factorial. Ça veut dire 4 fois 3 fois 2 fois n. D'accord. Alors, que ça veut dire n retiré 2 factorial? Ça veut dire n fois 2, n retiré 2, sorry, 2 fois n retiré 3 et que nous fois n retiré 4 factorial. Il y a rien, tu comprends? Alors, on remplace ça là-haut, tu prends que ça fait top gain, un côté, c'est top gain. N moins 2 fois n moins 3 fois n moins 4 factorial. Low, n moins 4 factorial. Laisse-moi expliquer ça un coup parce qu'il n'y a pas de pas trop clair ici. Alors, par exemple, ça là. On va faire ça là-dedans. Alors, encore une fois, la 2 factorial, par exemple, l'époux, 2 fois n. D'accord? 3 factorial, tu peux gérer l'époux. 3 fois 2 fois n. Mais ça, qu'est-ce que c'est? 2 fois n, c'est aussi 3 fois 2 factorial. Alors, 4 factorial, c'est aussi quoi? C'est aussi 4 fois 3 factorial, d'accord? Alors, c'est ici, même logique. N retiré 2 factorial égal, n retiré 2, et là, n retiré 3, et que le reste, c'est n retiré 4 factorial. Mais que peut-on faire? Parce qu'il me trouvait, si je me fais ça, je suis capable de cancel ça dès là. C'est ça, raisonnement. Ça, bam, bam, y aller. Tu peux gagner 24. Et ça, vous allez expandre, vous allez gagner n square avec moins 3 n moins 2 n plus 6 égale 24. N square moins 5 n 6 retiré 24 égale moins 18. Là, nous allons factorise. Votre valeur de n factorise, deux brackets. N c'est n fois n. 18 c'est ce qu'ils ont fait. 18 c'est n fois 18, 2 fois 9, et 3 fois 6.
Merci, nous avons parlé de moins 5. Ça m'a paru taper ma fenêtre pour ce fois-là dans expansion. Laisse-moi double check ça. C'est-à-dire 4 factorial, c'est ça, fois 3. Alors, mon bien, mon mal, multiplier ça ici, fois 3, bizarre, 72. 72 de là. C'est pas 72. X72, retirer 6, fais-toi, 66. Donc, ça pour assimiler, moins 66. OK? 66, c'est quoi? 66, c'est 11 fois 6. Alors, on va mettre 11 là, on va mettre 6 là. Et que finalement, pour gagner moins 5, bizarre, moins 11, plus 6. Alors, n, bizarre 11, n, bizarre, moins 6. Et que finalement, bien sûr, n, bizarre positif. Alors, n, dépôt, 11, moins 2 réponses. Alors, vous avez fait attention, bien checker votre travail avant de soumettre votre papier d'examen. Comment est-ce que vous faites une bête? Comme ça, recheck 5 coûts, la ligne de réponse pour achieve B, c'est n égale 11. Ça, c'est question numéro 8. Question. Ok, maintenant passons à question numéro 9. C'est une question de circulaire majeur. Alors, si elle demande une question comme ça, nous allons servir nos observation skills. Des diagrammes show the circle, alors un circle est là, d'accord? Center O, centre lila, radius 12, ça c'est radius 12, radius 12, radius et radius. Ok, c'est ça, radius égale 12. Assez un rectangle ABC, ABC, D. Nous trouvons que ça c'est 6, là où AB c'est 6, AD c'est 4, ça veut dire BC il est aussi 4 et DC il est 6. Ok, ça c'est d'après nos properties de un rectangle. The diagonals AC and BD intersect at O. The AC, ça, et que ça, joint que O. OK? À ce stade, nous avons l'information, blablabla, and so on. C'est parti, hein? Nous avons besoin de show that angle AOD est N.176 radians. Alors, AOD, écoutez. AOD, c'est sa longue ici, là. Vous avez montré ça, lit N.176 radians. Alors, pourquoi vous montrer ça? Alors, nous avons observé, bon, qu'est-ce qu'on a fait ici? Alors, d'après nos dessins, nous pouvons bien sûr casser en petites parties, en petits bouts. Nous pouvons dessiner ça ici par exemple. Et dessiner ça ici par exemple. Nous réalisons qui? Si ça est 4, ça veut dire ça, et que ça a besoin 2. Parce que nous devons comprendre que OM et OA, c'est radius, ça veut dire ça, et que ça est pareil. Ça veut dire ça aussi, et que ça est pareil. La cause de ça, avec ça, bizarre, pareil. Alors ça, c'est 2 et 2, et que sa longueur là, ça lie en tous les 6, mais la moitié des bizarres, 3. 3 et 3. À cette observation, nous pouvons faire un triangle A, O, on appelle ça X, par exemple. A, O, X. Nous tirons des O, donc un triangle comme ça. Ça, c'est A, O, on appelle ça pour la X ici. OK? Et que ça égale 2, et que ça égale 3. Ça lit 90, rectangle. À ce nous intéresser à voir sa longue ici, là, à gros longue ici, là. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas voir ça là, avant, l'appeler alpha. Et que finalement, quand nous gagnons ça, nous fois par 2 pour gagner la longue là en entier. La n point. Alors là, nous n'avons qu'à faire un triangle rectangle, nous ne pouvons pas servir socatoire. Socatoire pour nous longue alpha. Socatoire. Ça, c'est nous, opposite side, O avec O. Ça, c'est nous, adjacent side, c'est A avec A. Nous trouvons ici, nous appelons beaucoup Mox, tally Mox, nous servons ça là. Ça, c'est tan. Tan de long alpha, d égale, opposite side, c'est 2. L'O, adjacent side, c'est 3. Alpha pas égal, tan inverse, d l'O 3. Mais finalement, nous pouvons intéresser avec long A, O, D. AOD, c'est simplement 2 fois alpha. OK? Ici, nous allons make sure qu'il nous lie en radians pour nos réponses en radians. Voilà, c'est tan inverse de 2 log 3, fait autant, et que 2 fois 2, donc gain, n.176005. Et finalement, nous avons show that qui répond, ça lit n.176, quand j'ai l'angle là, d'après nous, calculation, d'égal à n. Point N7 0.
6. Show now is required. À cette page B, nous avons montré qu'il y a périmètre, nous avons road périmètre de la région. Alors, un point, comment est le road périmètre? Périmètre, ça veut dire distance autour de sa région qui est chez là. Alors, d'après nous, de ça, l'observation, périmètre qui est égal, sa length là, 6, plus 4, plus 6. So, 6 plus 4 plus 6 avec ça, avec ça gros là. Alors, ça, comment vous voyez? La length ici là. Alors, nous avons première affaire, nous avons rôde ça, sa length ici là. Et là, nous prenons 12 parce que ça c'est au radius, retirer ça pour gagner ça. Alors, un point. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez la length de DO par exemple? Pour triangle, right angle. Il y a ça, triangle ici là. Nous avons servi ça pour rôde ça. Alors, un point. Ici, 90. Ça, il y a 2. Ça, il y a 3 ici. Le long, il y a ici. Donc, on va servir ça. Ça veut dire, ici, il n'y a pas besoin de servir ce calculatoire parce que nous avons déjà connu deux sides là. Donc, on va rendre ça directement par nous, Pythagoras théorème. Ça veut dire 2 squares plus 3 squares pour égal ça, side là, ce square, DO square. Fais-toi 4 plus 9. Égale DO square et DO pour égal route de 13. Ok? C'est 13. Alors, 13 DO pour égal route de 13. Mais, nous pas intéressés à ça, malheureusement. Nous intéressés à ça à là. Ça à là pour égal en tout les bouts 12, retirer route de 13. Alors, ici, nous faisons plus ça, plus 12, retirer route de 13. Mais, il faut aller par 2 qui fait. À cause de ça avec ça ici. Et finalement, nous avons besoin de sa length ici là, length of arc, très simple. Nous savons une formule length of arc égale qu'est-ce à faire? Length of arc égale r times theta. R c'est nos radius 12, theta c'est long, sa long ici là. Alors nous connaissons ça déjà, ça c'est n.176, sorry. Nous tenons les pour 2 pi moins n.176. Fais-toi 5 points. Allez pour 5.1072. Ok? Alors ici, fais-toi 12 fois ça, fois 12. Fais-toi 61.286. Alors finalement, ajoute-tu ensemble, tu aurais ça. Plus 2 fois 12 retiré, route de 13. Plus 6 plus 4 plus 6. Fais-toi. 94.1. Ça, c'est une nouvelle valeur de périmètre 94.1 d'après nos régions shaded. À cette partie, c'est find the area of the region. Alors, ça aussi, une question assez simple par observation, bien sûr. Alors, comment est votre area de la région? Alors, un point. Donc, pas votre area de circle là en entier. Donc, tu obligé de circle, c'est pi r square. Pi c'est pi, r square c'est 12 square. Alors c'est 144. Pi c'est area de ce circle en entier. À ça, on peut pas voir l'area de la triangle là, ça et ça, et ça, ça secteur là. Alors, ça c'est qu'ils ont fait. Ça c'est half, time base, base c'est 6, et for height, height c'est ça, ça c'est 2. Alors, area de A, BO, c'est half time base time height. L'objet qu'on a, l'area du triangle, c'est half time base time height. La height, c'est ça, alors ça, c'est ça. Mais il nous fallait pas deux qui faire. Le virus, ça avec ça, il nous fallait pas deux. Top guy, ça pour aller, ça pour aller, top guy 12. Alors, l'area de ça et de ça, c'est 12. Alors, ça qui est l'area, ça ici, là, triangle barré, c'est half for base for height. 6. Ok? Et finalement, retire sa area de secteur ici là. Area of secteur c'est half r square theta. R square c'est radius square, 12 square. Theta c'est n.176. Ok? Half fois 12 square fois n.176. 84.672.
Alors finalement, je vous apprends tout en arrière. Retirer 12, retirer 6, retirer 84.672. La réponse vous vient 349.8. Mais go to 3 yourself, tu fais toi 350 cm square photo area of your shaded region. Ok, maintenant passons aux questions numéro 10. Ok, ça c'est nos graphes. Et d'après l'autre, nous avons area qui est une shaded ici. Alors, un problème. The diagram shows the graph of y quand x est plus grand qui moins 2. Ok. The points A and B lie on the curve such that this and this given to you moins n et 2. Alors, A et B ici. Ok, cool. À cette partie-là, find the exact y values of A and B. Alors, très simple. Ça, c'est quand x égale moins n. Ça, c'est quand x égale 2. Nous remplacer dans l'équation là. Alors, quand x égale moins n, qui va être de y? Y libre égale qu'ils ont fait. Nous remplacer à dehors. Fais-toi n. Fais-toi qu'est-ce que ça fait? Fais-toi n moins n plus 2. Fais-toi n. N square c'est n. N divisé par n c'est n. Plus 3 lots n. Alors n plus n. N plus 3 fais-toi 4. Ok? Alors ça ici. Ça veut dire the y coordinate of A. Y code of A égale 4. Bon. Donc on va servir bien sûr ta calculatrice. Juste pour être sûr, on ne peut pas faire qu'une faute bête. Alors moins n plus 2 c'est n. N square. C'est n. N divisé par n, c'est aussi n. Plus 3 divisé par moins n plus 2. Fais-toi 4. Alors, c'est pour ça là. Quand x égale 2, y bien que ça fait. Alors, 2 plus 2, square. N divisé par un seul. Plus 3 divisé par 4. Fais-toi 13, low 16. Ça c'est the y coordinate of the point B. C'est le point A, il peut égal moins n, 4. Et point B, c'est 2, 13, 9, 16. Ça c'est partie A. Ça c'est partie B, find the area of the region enclosed by the line AB, AB, et que par the curve, giving you answer, exact form. Alors, un point, comment tu vois l'area là? Alors, pour observation, tu trouves que l'area là, c'est en fait l'area de tout ça. Et retirer area under the curve. Alors, comment on voit area de tout ça avant? On aurait sur la length. Donc, on a ça, c'est combien? Ça, d'après nos coordinates, on trouvait ça, c'est 4. Right? Ça veut dire 4. Et que ça, c'est combien? D moins n fait toi 3. D'accord? Ça, c'est D là, ça, c'est n là, plus n là, 3. Et que ça a été là, c'est combien? 13, le 16. Ok? Avec en cours, qu'est-ce que ça fait bizarre? Bon, c'est un tout. Donc, on peut faire 102 points si tu as envie pour notre area de haché plat. Soit on peut servir la formule de trapézium pour notre area de haché plat. Alors, on peut servir ça. Area de trapézium, c'est quoi? Trapézium. C'est half times sum of. Parallel side, parallel side, c'est ça, plus ça, alors ça c'est 13 ou 16, plus 4, et times height in between, c'est 3. Alors, ça plus 4, fois 3, divisé par 2. C'est 7 lots, 32. Ok? Ça c'est pour GN. Alors, c'est nous avons retiré area under the curve. Alors, area under the curve, c'est pour ça par intégration, bien sûr. Alors, on doit derrière ça, c'est intégration de la limite là, 2, avec moins n, et que y pour égal, nous avons ça là-haut, on va gagner x plus 2, par rapport à ça, plus 3 log x plus 2, dx. Alors ça là, bien sûr, pour finir, ça va faire x plus 2, ajoute n, fait-toi moins n, et que divisé par m moins n, bien sûr. Et ça vous vient plus 3 ln 2 x plus 2. Bon, nous avons fait l'intégration pour nous faire la question là. Et sur limite, bien sûr, c'est d moins 7. Alors, un point, on remplace ça à l'autre pour gagner. X plus 2, x c'est 2, 2 plus 2 c'est 4. Nous faisons 4 par
Ça, l'eau, ça, plus 3, ln of 4. Retirer. Moins n, fais-toi. N power moins 1, l'eau moins 1, plus 3, ln of 3. N, sorry. Ln of 1. Simplifier, c'est parce que ln of 1, c'est quoi? Ln of 1, nous vous connaissez, c'est 0. Ça vous vient 0. Et ça vous vient qu'ils affaire. Donc, ça simplifie ça en bas. Alors, ici, nous voilà. Moins n log 4. Plus 3 ln log 4, moins, ça fait toi moins n. Ok? À tout bouquin, moins n log 4, plus 3 ln log 4, plus n. Fait toi, 3 log 4, plus 3 ln log 4. Mais à ce stade, il y a ça aussi. Alors, ça vous vient? 7 log 32, retirer. Ah ben, voilà là, 3 log 4, plus 3 ln log 4, 3, 4, ln 4. L'n pour n, alors 7, 32, retirer 3 log 4. Fais-toi. 6, 15, 32, retirer 3 ln 4. Simplifiez, vous avez fait les mêmes pareils comme moi. Alors, nous allons expandre ça. 6 fois 32, plus 15. Fais-toi. 207, 207, log 32, retirer ln 2, on va ça devant, tout vous gagne 4 par 3, 64. Okay. Ça, c'est question pour GB. Maintenant, passons à la question numéro 11. The diagram shows the velocity time graph for a particle P traveling in a straight line with velocity V at the time t seconds. Ça veut dire très simple, c'est une question qui donne un graphe de velocity against time. Ok, cool. C'est une particle qui peut traverser de la bonne façon. Hein? Ok. À cette partie, nous devons find the acceleration when t égale 12. Alors, t égale 12, dit pour environ pas ici. D'accord, pas ici. Ça veut dire. Quand t égale 12, particule l'eau sur la ligne droite là, nous pouvons trouver qui là, 0 sur accélération, mais nous trouvons qui c'est un velocity time graph. Alors quand nous avons un velocity time graph sur accélération égale sur gradient, et que là, comme il est flat, ça veut dire sur gradient il 0, sur accélération il peut aussi 0. 0 meters per second square. Et que partie 2, nous avons accélération quand time égale 50. 50 il peut environ ici, d'accord? Parce que ça les 10, ça les pour 5, et que ça les pour 50. En tout cas, c'est la vie gradiente. C'est la vie triangle, par exemple. C'est la vie un gros triangle là. Il y a ça à distance là. Ça c'est 60. Divisé par combien? Par ça. Ça c'est 50. 55. Retirer 35. C'est 20. Alors pareil. 60 divisé par 20, alors accélération, 60 divisé par 20, peut-être 3, mais comme il est en bas, ça veut dire que vous avez moins 3 meters par seconde square pour son accélération. Ça c'est question partie 2. Dans cette partie 3, find the total distance traveled by particle P. Alors, distance traveled by particle P, alors n par n. Alors, on est capable de casser en deux parties, on est capable de casser ça ici m. Tu obtiens un trapèze en bas et tu obtiens un triangle là-haut. Ça fait toi, half, time base. Base c'est combien? Ici c'est 40, 45. 45 retiré 25, fait toi 20. D'accord? 45 retiré 25, fait toi 20. So half times 20, times height. Height c'est 30. Ça c'est 30, d'accord? Alors ça c'est 300. Et cette area ici là, c'est une area d'un trapèze. Alors pareil encore, nous allons faire. C'est une formule. Half times sum de parallel sides, ça, 55, plus ça, c'est 45 retiré 10, fait à 35, et une fois sur height c'est 30. C'est la distance travel de la partie là, mais en tout, nous avons fait un total distance travel, fais-toi 300 plus 350. 1650. Ça, c'est une meters, bien sûr, pour ce units. Ça, c'est question partie 3. Okay.
Maintenant, passons question à partie B. A particle q travels in a straight line such that its velocity v meters per second at time t passing through a point O is given to you by this. So, ça veut dire, en tout ça, on a fait là, c'est juste ça veut dire v égale ça. Ok. À cette époque, j'ai bien la question. A particle q travels in a straight line such that its velocity v at time t after passing through the fixed point O is given by v. Ça veut dire simplement, quand une particule peut voyager, sa velocité v est given par l'équation. Ok, c'est ça. C'est ça qui est important ici. À cette époque, find the speed of q when t égale ça. Donc, speed de q quand t égale 5 par le nef. Donc, on place ça dans la première affaire, velocity de q égale 4 cos 3 fois t. 3 fois ça, fais-toi, 5, l'eau ça, l'eau 3. Retire 4. Alors, un point. Cos de 5 par l'eau 3. Les brilliance, bien sûr, fois 4. Retirer 4. Ça, valeur de moins d. Ça, c'est so velocity. C'est la réponse de speed. Speed est en direction, on l'apprend dans la physique. Alors, speed est tout simplement valeur de 2. De. Meters per second. Ça, c'est partie 1. C'est partie 2. Find the smallest positive value of t for which the acceleration est égale à 0. Alors, comment on a l'accélération? Nous avons compris accélération égale dv by dt. Ok? Nous avons différencié velocity pour le gain, accélération. Alors, un point, tu peux gagner 4 c'est 4, cos c, minus sin 3t, et la fois, pas 3, parce que nous avons fois ça, nous avons fois ça sur dt by, sur dv by dt. Nous avons différencié ça aussi, tu peux gagner 3. Là, ça peut venir 0, tu peux gagner 12, retirer 12 sin 3t. Ok? Dans sa réponse, partie A, nous avons aussi equate ça. 0. Nous avons le valeur de t quand ça égale 0. Alors, donc on gagne sin 3t égale 0. 3t, donc on gagne sin inverse de 0. 3t peut égale 0 avec pi. Pi. Qui fait? Donc nous avons compris que quand sin est positif, il est dans le premier quadrant et dans le deuxième quadrant. Premier, c'était au long directement. Deuxième quadrant, c'est l'affaire 180 moins ta longue là. Ah, c'est comme l'angle est 0, donc on gagne 0 avec 180 moins ça. Mais nous connaissons 180 degrés, c'est la même chose qui pi radians. Ah, c'est finalement t est capable de 0 l'eau 3, soit pi l'eau 3. Mais finalement t est besoin de faire toi pi l'eau 3 parce qu'il prend en considération quand t égale 0. Parce que t égale 0 c'est commencement, de toute façon il n'y a pas accéléré, il est capable d'ignorer sa valeur là. Il doit prendre après là, il faut pi l'eau 3 qui est une réponse, il besoin de prendre seconde. À cette partie 3, nous allons faire une expression for displacement of q from O at time t. Alors, très simple. Displacement c'est S, n'est pas égal à intégration de velocity, de respect to t. Remplacer, nous avons 4 cos 3t moins 4 respect to dt. Un point, nous avons 4 sin 3t, l'eau 3 moins 4t plus c. Alors, ça c'est une constante of integration. Ça nous connaît que time égale 0, bien sûr, le displacement divisé à 0. Nous avons connu ça. Quand time égale 0, le displacement de à point O là, il est pour 0. Donc, en place 1, nous avons 0 ici. Nous avons 4 sin 0, le 3, 4 moins 0 plus C. Finalement, nous devons C libre égale 0. Et finalement, le displacement S, il est pour besoin de 4 le 3 sin 2, 3T moins 4T. Ça, c'est une expression de displacement S. De la particle Q là. Et ça, c'est une dernière question. Alors, si vous avez l'autre question, au request, leave a comment below. Sinon, on va retrouver juste dans la prochaine vidéo.